Ralph Bates and fellow members of the One-to-One Club assemble for another session of Lonely Hearts Therapy in Dear John, starting in a moment on BBC One. Here on Two, we sample the pungent tastes and aromas of Provence with Claudia Roden's Mediterranean Cookery. People know the south of France for its wonderful climate and stunning landscape, but the food is one of the most remarkable things about the area. Provençal cooking is different from formal French classic cuisine. It's simple and rustic, with plenty of strong natural flavors. Every region of Provence has its own special dishes, which owe very much to Italy and Spain and to the Arab world. For me, the cooking of Provence is the best in France. As the winter playground of the international rich. But there's also a Nice that belongs to the local people with its own dialect and its own special dishes. This restaurant, run by Madame Hélène Barral, is celebrated for its traditional menu. Like the decor, it hasn't changed for decades. Hélène Barral remains loyal to cooking traditions. She offers all the local specialities like pizza ladière, a pizza-like onion tart studded with olives, and salade niçoise. Hélène says there are strict rules about making it. Tomatoes are the main ingredient. Quand elle est coupée, je pépine et puis je mets tout autour dans une assiette. Voilà. Et qu'on met par-dessus. Ça, c'est des poivrons que j'ai hachés, que j'ai coupés fins, et que j'en remets par, je remets par-dessus, vous voyez? Pas beaucoup, hein, il ne faut pas en mettre beaucoup. She cuts up a hard-boiled egg. Et j'en mets tout autour. Attention, il ne faut pas mettre des patates, hein. Il ne faut pas mettre de la betterave, c'est pas bon. She arranges anchovy fillets, flaked tuna, and black olives on top. L'huile d'olive, hein? Un peu de vinaigre. Et voilà. Ça va donner soif de fête. A salade niçoise makes a delightful hot weather dish. The ingredients are always arranged, never tossed. Old Nice, in the center of the town, is packed with specialist food shops. Olive oil is the cooking medium of Provence. The stronger flavored green oil is used for salads, while the lighter yellow oil is also good for cooking. Olives go well with aperitif and are also used a lot in cooking. These small Niçoise olives have a magnificent strong flavor. There's a whole world of preserves and aromatic spreads. They developed from a need to preserve food during the winter months. There are other Niçoise specialities, like soca, a chickpea flour pancake baked in a bread oven. Pan bagna, a Provençal roll soaked in olive oil and filled with salad. And tourte de blette, a most unusual sweet pastry with Swiss chard or spinach. People here love vegetable fritters. These are aubergine slices. You'll find roasted peppers in olive oil everywhere in the Mediterranean.
Salt cod is much loved throughout the Western Mediterranean. Here, they sell it already soaked to make preparation easier. Another popular food is offal. Tripe à la niçoise is made like many Provençal dishes, with onions, garlic and tomatoes. An important aspect of Niçois cooking is the Italian influence. Nice has age-old connections with Italy, and the local patois is more Italian than French. But the people of Nice make their very own pasta, filled with adore, the Provençal beef stew. Candied fruit is as popular in Provence as it is in Italy. In this confectioner, it's a cottage industry. Henri Aware's business has been in the family for generations, and he's proud to continue with the old traditional methods of crystallizing the fruit. Every day, for up to a month and a half, fresh fruit is simmered in thick sugar syrup. It's boiled until the syrup reaches a certain density. And then it's left to cool in earthenware pots. The fruit becomes entirely impregnated with sugar, but it retains its flavor and texture. Every possible variety of fruit is used, and Henri Aware chooses only the best. The result is truly exquisite. Fruit in Provence has an incredibly intense, mature flavor because it ripens in the Mediterranean sun. There's a wonderful sense of gaiety at the market of the Cours Saleya. Mescla, a mixture of wild leaves with radicchio and lettuce, have become the hallmark of Nouvelle Cuisine. Wild mushrooms like girole and chanterelle have a strong scent and a delicious flavor. Provence is the only region of France where they really make use of vegetables as a principal ingredient, not just as an insignificant garnish. Wild herbs blanket the hills, and their perfume permeates the atmosphere. They're used abundantly in every kind of dish. Lots of herbs and vegetables, and plenty of garlic, are used in a Niçoise favorite, soup au pistou, which is made by Martine Bourdon-Williams. La particularité de cette soupe, c'est qu'elle est faite dans de l'eau et non pas dans un bouillon de viande. Elle est garnie avec un mélange d'ail, de basilic, et de parmesan et d'huile d'olive que l'on broie dans un mortier. Et le mot pistou en Niçoise va actuellement dire le broyer. Garlic is the dominant flavor of the South. It's been called the truffle of Provence. Then Martine adds a large bunch of basil. The smell is fantastic. Freshly grated parmesan is mixed in. Then Martine adds a little oil, enough to make a thick sauce. This sauce, or pommade, as it's called here, has an extraordinarily strong and delicious flavor, and it turns a minestrone-type soup into a heavenly dish. The vegetables for the soup must all be prepared and chopped in advance.
J'ai de l'eau qui bout sur le feu, de l'eau salée. Et maintenant, il y en a 2 litres à peu près. Maintenant, je vais ajouter les légumes qui ont été coupés fins. Alors d'abord, on met les haricots verts. With haricot beans, leeks, turnips, carrots. Les courgettes. Le céleri, les pommes de terre, tout ça est coupé très très fin parce que la soupe n'est pas passée après, alors il est important de laisser les choses telles qu'elles sont dans l'assiette. Il faut écraser un peu les tomates. On ajoute l'ail. On mélange tout ça. On rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Et maintenant, on laisse bouillir ça pendant une bonne heure, jusqu'à ce que les légumes soient tous cuits. You can either mix in the pistou sauce just before serving, or hand it round separately with extra parmesan. On the coast between Hyères and Saint-Tropez, Jobeau d'Acourcy makes the great seafood dish of Marseille, la bouillabaisse. Locals insist that bouillabaisse can't be made outside the region because you can't get the bony rockfish rascasse, which gives it its characteristic flavor. Apart from that, they use any fish they can lay their hands on. No two people agree on what perfect bouillabaisse is. Saffron, fennel, orange peel, garlic and tomatoes are indispensable. They serve the broth first and eat the fish as a separate course. Le Lavandou, just east of Hyères, is a chic holiday resort and also a fishing port. Besides the usual Mediterranean fish, such as red mullet, bream, bass and sardines, the fishermen also pull in squid, octopus, sea urchins, spiny crabs and small lobsters. They're all used in cooking. René Thévenot, a Burgundian who migrated to the sun, cooks his bourride at the Auberge de la Calanque. Alors la bourride. La bourride est un genre de bouillabaisse, mais à base de poisson blanc, uniquement base de poisson blanc, et avec une liaison qui sera à base d'aïoli. Donc la liaison, c'est la terminaison de la bourride. Alors vous avez du loup, le pajot, la sole, le baudroie, le chapon, les moules. René starts by frying some pieces of fennel, then tomato halves, onion slices, and half a head of garlic sliced across, celery top, a quarter red pepper, thinly sliced potatoes, and some fresh thyme and rosemary. The mussels are put in with the vegetables. Vous laissez suer bien comme il faut, en remuant un tout petit peu. Voilà. Que les légumes et les moules chantent un petit peu, là. Then the fish are added. First, the rockfish. In French, rascasse or chapon. Then the sea bass. The sole, and finally the silvery bream and the monkfish steak. Et on mouille avec l'eau. On verse l'eau jusque au niveau du poisson
pas plus haut. Voilà. Then some wine. Juste un tout petit peu et ce sera tout. Vous laissez comme ça et vous faites bouillir pendant 20 à 25 minutes. As soon as the fish are cooked, René takes them out. Vous retirez bien toutes les moules. Voilà. Vous laissez quelques pommes de terre au fond de votre casserole, hein, pour faire votre liaison. Voilà. Vous laissez votre poisson de côté et vous écrasez vos dernières pommes de terre qui restent au fond de la casserole avec les légumes. To make the liaison or thickening, add egg yolk to the aioli. Aioli is a garlic mayonnaise which you will see how to make later on. Then add single cream and mix well. Add the mixture very carefully to the hot broth, mixing all the time. Make sure that the soup doesn't boil and curdle the eggs. Although cream doesn't feature in Provençal cooking, it's René's special addition. Strain the soup and serve immediately. Like bouillabaisse, the soup is drunk first with extra aioli spread on toasted bread. Then the fish is eaten as a main course. The procedure is quite a ceremony. Inland Provence has another face. This is the département of the Vaucluse, whose capital is the ancient city of Avignon. The best restaurant here has earned 2 Michelin stars and serves only traditional food. It's been run by Pierre Ieli's family for 3 generations. Alors en réalité, il existe deux sortes de Provence, si vous voulez. La Provence de la côte, qui est une Provence très colorée, très contrastée, avec des couleurs très violentes, des rouges, des bleus. Et la Provence de l'intérieur, qui est ce qu'on appelle la Provence grise, qui est une Provence beaucoup plus nuancée et qui, en cuisine, utilise les produits du terroir avec comme dominante et comme accessoire, si vous voulez, l'huile d'olive, l'ail et les herbes. Et nous allons ici, si vous le voulez bien, utiliser un de ces produits, un lapin qui court dans la garrigue avec tous les accessoires autour. The rabbit is skinned and jointed. The liver and kidneys will be sautéed to garnish the dish. Pickling onions have been plunged in boiling water to make them easier to peel. Other ingredients are shallots, red wine, and sherry vinegar. Comme ça, je mets mes oignons dans le fond. Un petit peu de sel. Un tour de poivre du moulin, un petit peu de sucre, une goutte d'huile d'olive pour lui donner le parfum. Et un peu d'eau. The onions will be cooked gently and will be added to the rabbit before serving. They caramelize with the sugar. Un petit sautoir dans lequel on va mettre un peu d'huile d'olive, comme ceci. Un petit peu de beurre. Voilà, on va mettre les morceaux de lapin à dorer, assez rapidement d'ailleurs. Voilà. On émiette un peu de thym et on met quelques feuilles de sauge. On va finir de les faire cuire dans la sauce. Alors la sauce, on va prendre la valeur d'une cuillère à soupe, un peu plus même, de vinaigre de Xérès. When the vinegar has evaporated, leaving only a delicate flavor, add about a quarter of a bottle of red wine.
parce qu'il y aura une sauce qui sera très courte, c'est-à-dire qui juste enrobera les morceaux. Il ne faut pas une grande sauce. Provençal cooking has none of the butter and flour sauces of classic cuisine. Et on laisse cuire tranquillement pendant entre 20 minutes et demi-heure, suivant les morceaux de lapin, tout doucement, tout doucement. Monsieur Yeli serves the rabbit with its delicious wine sauce, garnished with braised onions and assorted liver and kidneys, as part of a Provençal menu. With artichaut à la barigoule, braised artichokes, a selection of local goat's cheese, and strawberries in the local wine, Châteauneuf du Pape. Outside the hill town of Séguré is a youth hostel, which is also a cookery school. It's run by Henri Fontin and his wife. Henri was a television producer in Paris, but he returned to his roots and now teaches real Provençal cooking. La ratatouille est un plat de légumes composé d'aubergines, de courgettes, de poivrons principalement, quelques oignons et un petit peu de tomates. Dans notre recette, les légumes sont tous cuits séparément, vont être coupés en morceaux assez gros et ensuite mélangés pour être mijotés tout doucement avec du thym, du laurier, du romarin, toutes les herbes de Provence qui leur donnent un si bon goût. Ces morceaux devront être gros pour qu'à chaque bouchée, on ait un petit peu le goût de l'aubergine, la bouchée d'après un petit peu le goût de la courgette, le morceau suivant le goût du poivron, mais jamais il faut que c'est l'impression de manger une purée où tout doit être mélangé. Il faut que chaque goût reste individuel dans le tout. Nous allons cuire les légumes, d'abord avec de l'huile d'olive, de la bonne huile d'olive, assez peu. Ça n'est pas la peine qu'il y en ait plein et que ça nage dans l'huile. Nous mettons un légume, ici des aubergines. Vous allez les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres sous le doigt, qu'ils s'écrasent légèrement. The courgettes, peppers and onions have all been fried. The onion till golden, the rest until just tender. Maintenant que nos trois légumes, quatre légumes sont cuits, nous allons les regrouper pour les faire cuire ensemble. Voici. Et voici les poivrons. Nous y rajouterons un peu de piment, suivant la convenance, parce que dans certains cas, ça peut être très fort. Je vous recommande de le couper fin. Nous y mettrons un petit peu de tomate, mais avant, nous enlèverons l'eau de la tomate et les graines. Nous la couperons en gros morceaux, sommairement. The herbs are added and the vegetables are cooked together for a further 15 minutes. There are many versions of ratatouille, but Henri Fontin's is quite splendid. Provence is the most fertile part of France and a great market garden area. It's also wine country, and the local wines are much used in cooking. I often spend holidays in Lacoste, a medieval village in the Luberon Hills. The pace of life is slow, and there's a kind of good-natured playfulness that I love. While Francis Sévaré plays pétanque,
His wife Elise prepares aioli, the garlic mayonnaise. Each village in the area has an annual fête de l'aioli to celebrate the garlic of the season. But this is going to be a lunch party for friends. L'aioli est un plat traditionnel qui se prépare de la façon suivante. C'est une simple mayonnaise, en fait, mais avec comme ingrédient principal l'ail. Les gousses d'ail épluchées, je vais mettre du sel et du poivre. Et là, je vais couler jusqu'à ce que j'obtienne une pommade presque avec la consistance de la moutarde. Il faut bien couler l'ail pour que la sauce ne tombe pas après. Parce que quelquefois, ça ne monte pas comme on veut. C'est un peu le secret de la journée. Quand la sauce est bien onctueuse, comme ça, voyez. Alors, à ce moment-là, on met de la moutarde, comme une mayonnaise, en fait. Then it is as an egg yolk, as in a mayonnaise. En fait, l'aioli, c'est la sauce qui est compliquée. L'aioli, sinon, ce sont des légumes blanchis et avec de la morue et des œufs durs, on met toutes sortes de légumes. In a moment, she'll add the olive oil.